Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Mouquinade. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un test des quiz de lecteurs, déterminer un petit peu quel type de lectrice je suis, parce que je suis un type de lecteur. Ça n'existe pas un type de lecteur, mais j'ai envie de m'amuser et de peut-être m'énerver devant les résultats que je vais avoir potentiellement. C'est possible, je m'énerve beaucoup en ce moment. Alors c'est parti, donc nous sommes sur notre ami Cookel. Je vais taper ma quiz lecteur. La ferme des animaux. Voilà. Quel type de lecteur es-tu? Apparemment, j'y suis déjà allée. Oula. C'est sympa ceci, dis donc. On commence. T'as une fascination pour les tueurs en série? Moi j'ai peur. Alors, tu connais mieux les super-héros que les membres de ta famille. On va peut-être pas exagérer quand même. Tu lis réellement les modalités et conditions avant de les accepter. Oui, je regarde en moi parce qu'il y a mon PC, d'accord. Tu lis réellement les modalités et conditions avant de les accepter. Bah oui, je signe pas n'importe quoi par contre. Tu considères que chasseur de fantômes est un plan de carrière légitime? Oui. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut. T'aimerais pouvoir parler aux animaux? Oui. Tu stalks un peu trop d'inconnus sur les médias sociaux. Alors, dans le genre où je regarde et je suis pas mal d'influenceurs ou d'auteurs ou de personnalités publiques, est-ce qu'on peut dire que je stalk? Je calcule pas leurs faits et gestes, mais c'est des inconnus quand même. Donc on va mettre oui. T'es toujours partant pour un road trip? Ça dépend où et ça dépend avec qui. Mais sinon, oui. Ta fête préférée, c'est Halloween? J'hésite entre Noël et Halloween, mais j'aime particulièrement Halloween. Allez, on va mettre. Tu écoutes la bande sonore de films de peur pour te relaxer. Ça m'arrive en ce moment, j'avoue. T'as déjà réellement essayé de lancer le sort Wingardium Leviosa juste pour voir? Je faisais tout le temps ça quand j'étais petite. Bon, même si j'ai vite compris que c'était pas possible, mais c'est pas grave. Tu soupçonnes ton chauffeur d'autobus d'être secrètement un extraterrestre. Pas le chauffeur de bus, mais je peux soupçonner aussi des personnes, de pas être vraiment humaine. Tu poses sans gêne des questions en classe. Alors, pas quand j'étais au lycée ou au collège, mais quand j'ai fait la fac de lettres en étant en dust, ouais, j'étais vraiment la relou qui posait plein de questions. Tu donnes des surnoms à tes plantes? Oui. Tu achètes toujours ton passeport saison à la ronde? Non. Ta page d'accueil, c'est Wikipédia? Non. J'aime pas trop Wikipédia. T'as inventé un langage secret avec ton meilleur ami? Ah si, on en avait un, tiens. Oui. Ton fil Insta... Enfin, il voulait pas dire grand-chose, mais c'était quand même un langage secret, d'accord? Il y avait que nous qui pouvons comprendre ce que ça voulait dire. Ton fil Instagram est rempli de photos van life. Ah, il a été, mais il y a quand même beaucoup plus de livres, donc non. Plus jeune, tu sympathisais avec le monstre qui vivait sous ton lit? Non, mais j'avais un ami imaginaire. Est-ce que ça compte? Bah non, c'était pas le monstre sous mon lit. Tu rêves de faire le tour du monde en montgolfière? J'ai de la peur du vide. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Non, s'il vous plaît. Tu rêves d'être commandité par Red Bull? Non. C'est quoi ces questions là par contre? Tu recules jamais devant un t'es pas game? Plutôt t'es pas cap ou t'es pas joueur? Non. Je m'en fiche. Je suis une trouillarde, d'accord, et je l'assume. Tes amis se confient souvent à toi? Yes. Tu lis le devoir à la place de faire tes devoirs? Non, j'étais toujours à l'heure pour mes devoirs. Tu consultes des sites d'interprétation de rêves? Oui, à 100%. Tu connais plus de statistiques sportives que Kevin Raphaël? Non. Qui est cette personne? Tu lis les notes en bas de page? En vrai, quand t'es en lettres, t'es un peu obligé. T'as hâte de voter aux prochaines élections? Pas tellement. La vie serait plus intéressante avec un casque de réalité virtuelle. Mais elle va se péter la gueule là par contre en vélo? Non. Tu joues à Ouija quand tu te sens seule? Non, ça me fait peur moi. Même si ça m'intéresse de savoir des trucs sur la Ouija, mais enfin de savoir des gens qui l'utilisent et qui en parlent de l'expérience, mais moi de le faire, j'ai extrêmement peur, donc non. T'as déjà ouvert un vieux dictionnaire en papier pour le fun? Oui. Je fais très souvent ça, en bouquinerie d'ailleurs. Oulala, tu es bouhou romantico. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu es le même type de lecteur que... Il y a un humoriste qui est la femme à côté, qui est l'homme à la droite. Je connais que celui du milieu. Alors, amateur de romance, oui mais pas que, tu t'intéresses aussi aux récits intimes,
au voyage initiatique ou au développement personnel. Un peu. Parce que je suis fermée à aucun genre de littérature, mais ou aucun support, mais c'est pas vraiment mon genre de prédilection non plus. Mais est-ce que si on met tout ce qui est astrologie et la lune et la femme, est-ce que c'est mis comme dans le développement personnel? Je dirais plus presque ésotériste. Ah, c'est entre les deux pour moi. Tout ce qui met l'accent sur la psychologie des personnages, oui. La science des rêves, oui. Et la remise en question de soi et du monde te passionne. Oui, mais pas forcément dans mes romans, quoi. C'est pas... Alors si, dans la dystopie, t'as quand même une remise en question de la société et du monde. Mais le voyage initiatique, pas tellement. Les récits intimes, quand c'est du contemporain et du fictif, oui. Mais je lis pas d'essais, par exemple, ou je lis pas de... Enfin, c'est pas d'essais, mais de témoignages. Je lis pas du tout de témoignages. C'est pas un genre qui m'intéresse. Quelques suggestions. Ah, on va voir ce qu'ils me mettent. Nous sommes tous faits de molécules. Qu'est-ce que c'est que ça? Cellulaire, en anglais. Galère à lire en anglais. En tout cas, ils me mettent amitié, amour. Ouais. Développement personnel, oui, si on va mettre mes genres. Famille, pas trop. LGBTQ+, yes. Mais voyage, pas trop. Par contre, les titres, ça me dit rien du tout et ça m'intéresse pas. Pourquoi moi je suis pas échevelée? Aventure, science-fiction, suspense. En vrai, je vais vous mettre les liens des quiz que j'ai fait du coup. Parce qu'en fait, il est quand même bien fait. Genre, il est beau, il est ludique, enfin, il est pratique, il est bien foutu. Mais du coup, je suis pas du tout d'accord. Romantico. C'est parce qu'ils savent que j'ai du Morgane Moncombe, c'est ça? Non, je suis pas d'accord. Test suivant. Bon, on va refaire encore quel lecteur je suis. Parce que je suis pas d'accord avec celui-là. Alors, second quiz. De quizbiz. Je ne connais pas. Quelle qualité te correspond le plus? Imaginatif, curieux, feignant, déterminé. J'hésite entre trois en fait. Imaginatif, curieux et déterminé. Un mec curieux. Question 2. Pour toi, lire, cela signifie se détendre, s'informer, se cultiver, rien du tout. Il n'y a pas s'évader, parce que c'est quand même la base, non? Ouais, mais se détendre, c'est ce qui se rapproche le plus, selon moi. Troisième question. Combien de temps consacres-tu à la lecture chaque jour? Plusieurs heures, une à deux heures, quelques minutes, aucun temps, j'ai mieux à faire. Ça dépend des jours, je mettrai entre plusieurs heures et une à deux heures. On va mettre plusieurs heures, parce que là, c'est juste que j'ai eu pas mal de taf. Question 4. Que préfères-tu lire? Un roman, une BD, un journal, une affiche publicitaire? Je suis très graphique quand même en ce moment, mais je lis quand même beaucoup plus de romans que de graphie. À ce jour, peut-être que ça va évoluer. Selon toi, quel est l'endroit idéal pour une séance de lecture dans ta chambre, dans le salon, dans une salle détente, dans les transports en commun? Je dirais ta chambre, mais c'est un truc détente aussi, quoi. Et dans le salon, je peux complètement lire dans le salon. On va mettre par défaut dans ma chambre, parce que du coup, le soir, je peux lire quand même pas mal d'heures. Question 6. Quand tu es en vacances, tu lis beaucoup, un peu, de temps en temps, pas du tout? Ça dépend, genre si c'est des vacances où je ne fais rien, ok, mais si je suis en train de visiter un truc, je vais peut-être moins lire. Je vais mettre de temps en temps, ça me paraît le juste milieu. Question 7. Es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans images en une journée? Oui, sans doute, il me faudra plusieurs jours ou impossible. Si, je l'ai déjà fait. Plus d'une fois d'ailleurs. Question 8. Comment choisis-tu tes livres en fonction du nombre de pages? Non. Qui fait ça? Ça c'est quand on était petit à l'école, genre on préférait le plus petit livre. Il faut des images dedans obligatoirement? Non. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue sur un coup de cœur. Ouais, on va dire que c'est plus un coup de cœur ou genre juste le livre m'intrigue, mais du coup est pas trop longue? Non. Enfin ça va pas quoi. Question 9. Que t'apporte une lecture? Un moment de calme où l'imaginaire se balade, un moment tranquille, loin de tout, un moment chiant, un moment idéal pour apprendre les choses. Ouais, où l'imaginaire se balade, ça me plaît plutôt bien. Mais un moment tranquille, loin de tout aussi, mais du coup tranquille et calme, on est un peu sur le même truc. Je suis un lecteur passionné. Encore heureux. Comme 51% des joueurs. Ah, c'est pas hyper original du coup. Tu adores lire des livres ou autres, c'est presque une passion, bravo. Merci. Très court le descriptif du coup. Celui-là en vrai ça va, bah du coup parce que c'est juste que je suis contente de la réponse, mais il y avait des réponses un petit peu qui se rejoignaient où je pouvais pas répondre totalement ce que je voulais. On va faire... Ouais, lui il me paraît bien. C'est parti! Lorsque vous offrez un livre, vous choisissez de préférence un livre qui vous a marqué, un livre qui vous évoque l'univers de la personne, un livre récent, un prix littéraire. Quand j'offre un livre, bah non, un livre qui pourrait intéresser la personne, qui vous évoque l'univers de la personne. Oui, aucun... On va dire un livre qui vous évoque l'univers de la personne parce que ça peut se rapprocher à ses goûts, mais c'est pas hyper clair, je trouve, comme choix. Le plus souvent, vous achetez vos livres dans des galeries marchandes ou dans des grandes surfaces, dans votre librairie préférée, n'importe où, sur Internet. Ça dépend, parce
parce que par exemple de Saxus c'est présent sur Amazon, donc j'achète sur Amazon. J'achète quand même pas mal en librairie indépendante, mais par exemple des livres de New Adult, je les trouve pas en librairie indépendante, il y a très peu de sections là-bas, donc généralement je vais les trouver plus dans des grandes surfaces, enfin dans des chaînes de librairie type Cultura, la Fnac, surtout la Fnac, parce que j'ai pas de Cultura à côté. J'ai déjà acheté, du coup en espace culturel, c'est Leclerc, donc on peut dire que c'est une galerie marchande. On va mettre n'importe où. Au moins, on est sûr. Pour préparer votre voyage en Grèce, vous achetez en priorité des auteurs grecs, des livres récents, des livres sur la culture mythologique grecque, un guide touristique de référence. Non, d'abord un guide touristique. Que pensez-vous des liseuses électroniques? Ça doit être grave pratique, mais j'en veux une, mais j'ai pas les sous. Et je veux pas prendre celle de genre les moins chères, je veux vraiment ce modèle là. C'est l'avenir, les livres sont trop encombrants, pas très bon pour les yeux, utile, vous préférez le contact du papier? Je préfère le contact du papier, mais je trouve que c'est quand même utile. Quelles émissions télévisées préférez-vous? Les débats de société, les documentaires, les films, les séries ou les policiers? Les émissions télévisées préférées? Les films. Ouais, il y avait les séries, trop tard, j'ai mis les films. Alors, dans votre bibliothèque, avez-vous beaucoup de livres que vous n'avez jamais lus? Non, vous ne gardez pas ceux qui vous intéressent. Oui, et vous ne le lirez peut-être jamais. Oui, mais vous le lirez un jour. Vous en avez peu et vous avez presque tout lu. Non, j'ai une bonne pile à lire. Faudrait d'ailleurs que je les recompte, mais je pense qu'on va s'approcher des 100. Donc oui, non, peut-être moins des 100 quand même. Vous arrive-t-il de lire une page entière d'un ouvrage sans rien comprendre? Dans ce cas, vous la relisez encore et encore, tentez de la comprendre. Non. Oui, vous avez souvent la tête ailleurs. Vous refermez le livre illico. Si c'est du fantastique, des fois, oui, des fois je comprends pas trop. Mais je pense que généralement je vais plus la relire et la relire jusqu'à ce que je comprenne au moins un petit peu quand même. Quelle est selon vous la meilleure façon d'inciter un enfant à lire? Trouver un thème qui l'intéresse? Choisir un récit avec un héros de son âge, lui donner des ouvrages courts ou des bandes dessinées, lui proposer un livre en relation avec ses apprentissages scolaires, bof. Ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. Du coup, il n'y a pas du tout ce que je voulais mettre. On va dire ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. Parce que je pense que si tu lui imposes un truc selon l'enfant et l'intéressement qu'il peut avoir au livre, tu peux complètement le dégoûter. Sur internet, vous accédez à un site passionnant, mais les textes sont truffés de fautes d'orthographe. Illisible, vous doutez de la crédibilité des auteurs, pas grave, le fond est plus important que la forme. Tellement fréquent, vous n'y faites plus attention. Vous envoyez un message pour le signaler. Non, en vrai, je m'en fiche. Si le fond m'intéresse, c'est ok. Quelle ambiance vous semble la plus propice pour lire un bon roman? Au soleil, à la terrasse d'un café, dans une position confortable, avec un bon éclairage. Impossible de choisir, cela dépend du livre, de votre humeur. Ou un lieu apaisant avec un petit fond musical. Un lieu apaisant avec un petit fond musical. Je fais beaucoup ça. Depuis des mois, je lis beaucoup avec des fonds sonores ou de la musique, tout simplement. Quelle personne vous agace le plus? Celle qui manque de curiosité, celle qui ne parle jamais d'elle-même, celle qui ont peur de tout, celle qui tourne tout en dérision. Celle qui tourne tout en dérision, quand c'est trop, ça m'énerve. Vous arrive-t-il de lire un roman en diagonale? Jamais par respect pour l'auteur? Oui, pour connaître le dénouement le plus vite possible. Oui, quand vous n'entrez pas dans l'ambiance, rarement. Je l'ai déjà fait pour des livres de cours, donc oui, quand je ne rentre pas dans l'ambiance. En vacances, votre objectif principal est changer d'activité, lire, faire du sport, voyager, prendre du temps pour vous ressourcer, profiter de la vie pour vous faire plaisir, vivre des moments forts, profiter de la vie pour me faire plaisir. Vous tombez sur votre livre de lecture de CP, c'était Ratus. Émouvant, cela vous rappelle votre enfance. Intéressant, cela vous permet d'identifier la méthode d'apprentissage. Inutile, il n'a plus d'actualité. Troublant, cela fait remonter des souvenirs. Oh non, intéressant. Émouvant, j'y arrivais pas jusque là pour les Ratus, mais... Vous arrive-t-il de vous sentir proche d'un personnage de roman? Eh oui. Je regarde même pas les autres réponses, j'ai vu souvent, je mets souvent. Pouvez-vous lire lorsque les gens parlent doucement autour de vous? Ça dépend. Ça dépend le livre, ça dépend mon humeur, ça dépend ma concentration et mon énergie. Ce petit bruit de fond peut même vous être agréable. Non, par contre non. Difficile, vous ne pouvez pas vous empêcher de les écouter. Impossible. Vous avez besoin de silence. Oui, sans problème. Bah, je dirais difficile quand même. Quel est selon vous l'attrait principal des vide-greniers? Aucun intérêt pour vous. La possibilité d'acquérir des objets à moindre coût, carrément. L'aspect chasse au trésor. Ah ouais, non. L'aspect chasse au trésor, c'est bien. Et le côté caverne d'Ali Baba. Ah oui, mais plus chasse au trésor, c'est hyper différent. Mais... Quel métier du cirque vous fascine le plus? Acrobate, dompteur, funambule, jongleur, acrobate. J'en serais incapable. Après une journée épuisante, la meilleure façon de vous changer les idées? Un bon livre ou une émission intéressante, un film à suspense, une conversation agréable, une séance de relaxation. Un bon livre ou une émission intéressante. J'ai vraiment besoin de me déconnecter et du coup il faut un truc un peu divertissant ou qui me captive. Quel compliment vous ferait le plus plaisir? Avec toi j'apprends toujours quelque chose, avec toi je ne m'ennuie jamais, avec toi je suis vraiment moi.
moi-même. Avec toi, je trouve la vie exaltante. Ouais, non, mais là, il abuse, par contre. Là, c'est un faux cul. Non, je suis vraiment moi-même. Au moins, je sais que la personne ne joue pas la comédie. Donc c'est cool, c'est-à-dire qu'elle est à l'aise. Oh la vache, par contre, les résultats. Ce que vos lectures disent de vous. Lire pour réfléchir. Ah bon. Vous recherchez avant tout dans les livres matière à réflexion. Votre attirance va vers des ouvrages qui traitent de sujets qui peuvent vous permettre de mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Cela vous intéresse de creuser les questions qui touchent à votre développement personnel, mais ça fait deux fois qu'on me dit ça quand même, hein. Au sens que vous voulez donner à votre vie. En d'autres termes, vous trouvez plaisir à faire travailler votre cerveau et vous choisissez des livres qui vous en offrent la possibilité. Je vais leur envoyer le lien de ma chaîne pour qu'ils comprennent que c'est pas le cas. Ce goût pour les ouvrages qui vous évoquent un questionnement personnel comble à la fois une curiosité intellectuelle, mais aussi une recherche de plaisir un peu narcissique, éprouvée à la lecture de messages qui répondent à vos interrogations. Ouais, peut-être. Qui parlent de vous, qui s'adressent à vous. Vous vous mettez ainsi au centre du débat. Je suis le personnage principal, d'accord? Ce qui n'est peut-être pas assez souvent le cas dans votre vie quotidienne. Ah! Ah! Poursuivez vos lectures sans modération et faites-en profiter votre entourage. Pourquoi ne ferez-vous pas des résumés des livres les plus pertinents pour donner aux autres envie de s'y plonger à leur tour? C'est un peu ce que je fais, je crois. Ce serait l'occasion d'échanges enrichissants. C'est ce qu'on fait, non? Bah alors, ce dernier résultat de test, il y a du vrai et du faux, puisque je lis pas tellement de livres de développement personnel ou scientifique ou psychologique. Les seuls trucs que je peux lire, comme je disais, c'est l'astro, c'est les seuls trucs. Mais encore, j'en ai pas beaucoup, hein. Je dois en avoir 4, non 3, 3, j'ai 3 livres sur l'astro, donc c'est pas non plus énormément. J'ai un livre sur le féminin sacré, mais ça s'arrête là. Si, je vais peut-être plus lire autre les livres, mais des articles, des recherches, ou des documentaires, ou des livres. Mais quand même, plus globalement, j'en lis davantage, enfin généralement, des livres de science-fiction que je considère comme divertissement, de science-fiction, de dystopie, de fantastique, enfin bref, vous voyez un petit peu mon genre de lecture. C'est pas trop ça. Je sais pas si vous avez déjà fait des tests de lecteurs pour savoir qui vous êtes, mais je vous mets les liens là en barre d'infos si vous avez envie de les faire, mais dites-moi quel genre de personnalité vous avez eu et si ça correspond un petit peu à ce pourquoi vous lisez et ce que vous lisez en règle générale, parce que du coup, c'est pas de fou ça quand même. Mais c'est quand même intéressant ce genre de quiz. Je suis un peu vraiment pas trop d'accord, hein, avec les réponses que j'ai eues. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et me laisser un petit like sur la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes lectures et j'attends les réponses dans les commentaires, en message, ce que vous voulez, parce que je suis pas très d'accord, donc est-ce que c'est que à moi que ça arrive ou pas? Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!